aujourd'hui terminé. Je vous montre pas le bac parce que j'ai tout organisé pour que ça soit rapide. Voilà. Donc on va commencer assez vite parce que j'ai pas mal de produits. Je voudrais pas mettre trop de temps. Donc en tout premier, deux produits. Un que je suis obligée de jeter par rapport à la date de péremption. C'est Sissi Vivi qui me l'a rappelé d'ailleurs. Enfin, qui a jeté le sien, du coup ça m'a rappelé le mien. C'est les gouttes bleues de Inoxa, donc qui est quasiment entière. Je l'ai fait 3-4 jours. C'est vrai que ça soulage pas mal. Bon, c'est vrai qu'ils sont bêtes de nous faire des flacons aussi gros. Ils devraient nous faire des petites pipettes. Voilà, ça serait peut-être plus simple, mais bon, tant pis. C'est à soumettre, je pense. Donc voilà, je le jette parce que je suis obligée. J'ai essayé, ça m'a brûlé les yeux. Donc, enfin, j'avais pas vu la vidéo encore. Donc, je me rappelais pas de la date. Donc, je jette. Mais je rachèterai. Je jette parce qu'il a fait son temps et qu'il est vieux et qu'il est mort. C'est le double mascara transparent pour les sourcils de ELF. Enfin, c'est pas que pour les sourcils, mais tout le monde l'utilise pour les sourcils. Donc, je jette parce qu'il est... il ressemble plus à rien. Voilà. Je jette... Alors, on va passer aux soins visage. Je jette un baume pour les lèvres de The Body Shop à la noix de coco. Pestouille qui mord le trépied, qui est plein. Voilà, mais il sent le rance, donc je ne mets pas ça sur mes lèvres, c'est votre question. Alors déjà, dès le départ, j'avais pas aimé, hein. J'avais pas été fan, mais là, j'ai pas fait, voilà, là, quand j'ai senti que c'était rance, j'ai poubelle direct. Donc voilà, ça je jette, je suis dégoûtée, mais bon, tant pis. J'ai quasiment fini, mais il m'en reste un chouïa et c'est pas suffisant. Donc, le Nivea Cellular Anti-Âge Soin Contour des Yeux. Au départ, il m'allait bien, mais là, je sais pas. En ce moment, j'ai le contour de l'œil vachement sec. Il suffit plus, donc d'où le fait que j'ai repris mon Aven. J'ai utilisé un masque à l'argile rouge, voilà, mais je crois qu'ils sont pas faits pour moi parce que ça me déclenche un problème au niveau des yeux. Donc voilà, ça me pique et tout ça au niveau des yeux, ça me les fait pleurer, c'est une horreur. Donc voilà, c'est après ils sont très très bien ces masques, mais moi je crains, donc mais bon, et mes yeux aussi en même temps. Bon, je jette une petite éponge qui ne ressemble plus à rien, que je n'arrive plus à nettoyer, qui ne reprend pas sa couleur naturelle, donc je la jette. Je n'ai une utilisation que pour ce soir, et après c'est fini. C'est mon Anatomical, comme vous savez, que j'adore. C'est Anne qui me l'a offert, celui-là. Bisous Anne, et encore merci. Donc voilà, celui-là, vous savez que je l'aime, que je l'adore. Bon, manque de peau, comme j'ai pas retrouvé, j'ai pas vraiment cherché non plus. Enfin, j'avais cherché les premières fois, et là, j'ai pas de nouveau cherché. Comme je n'en ai plus, j'ai pris de l'eau de lavande basique à ma parapharmacie. J'ai fini le Nivea Douceur. Alors, je ne vous en parle pas plus que ça, puisque je vais faire un article sur mon blog. Donc, pour l'instant, vous pouvez vous inscrire à mon blog et vous aurez les actualités quand je les fais. Enfin, quand je fais un nouvel article, vous le recevez dans votre boîte mail. Sinon, ben, il faut surveiller un petit peu. Voilà, pour savoir exactement ce que j'en pense. Il est en concurrence avec un autre. Donc, je ne veux pas vous en dire plus, parce que je veux amener à lire sur mon blog. Mais l'article n'est pas encore fait. Quand il sera fait, je mettrai en barre d'infos par contre. Là, je suis désolée, mais j'ai fait un autre article et celui-là, j'ai pas pensé. Enfin, j'ai pas le temps surtout. J'ai fini, et là, c'est à mon grand désespoir. Ma mousse Sampar City of Light, vous savez que je l'aime. Je ne l'ai pas rachetée puisque d'une, moi, je les achète sur vente privée. Et de deux, parce que j'ai déjà deux ou trois flacons de mousse d'avance et je vais essayer de passer mon stock un peu, donc pour l'instant. Mais ça reste un favori, donc c'est quelque chose sur lequel je sais que je pourrais me tourner assez facilement. En démaquillant, j'ai terminé. C'est pareil, je vous en dirai pas trop, parce que là, par contre, l'article a été fait et je vous le mettrai en barre d'infos. De Garancia en deux coups de baguette. Alors, de toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà eu un aperçu de ce que j'en pense. Mais là, je vous en dis pas plus. Allez voir le dernier article en date. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos, mais... En cas où, si vous allez voir, il y en a deux. Il y a deux articles et c'est pas le plus vieux parce que le plus vieux, ça ne correspond plus à ce que j'en pense. C'est le plus récent voilà, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'espère que vous m'avez suivi. En deux mots, je vous mettrai l'article en barre d'infos. J'ai terminé le démaquillant Camomille The Body Shop Waterproof pour les yeux là. Voilà, je l'ai pas dit dans le bonheur, mais c'est pas grave. Alors, je l'ai testé. Il n'est pas donné, cette connerie.
J'ai testé, je retesterai pas. Non, il est très bien, il démaquille très bien. Enfin, très bien, tout est relatif, mais si, assez bien. Par contre, je crois que mes yeux ont du mal à le supporter. Alors, c'est peut-être en ce moment, hein, parce que j'ai pas mal de problèmes avec beaucoup de produits. Alors, je redis ce que j'ai déjà dit une première fois il y a quelque temps. Il est bon de tester certains produits plusieurs fois dans l'année, enfin, à différentes périodes, puisque notre peau et tout ça ne réagissent pas toujours pareil. Donc là, je pense ne pas racheter. Peut-être qu'avec une bonne promo, je le rachèterai, je testerai dans une autre période de l'année. Mais là, il avait tendance à me piquer les yeux, donc... Bon, alors ça, je sais plus si je vous l'avais montré ou pas, comme la mousse sans part d'ailleurs. Je sais plus si je vous l'avais montré ou pas, c'est le beurre. Que j'ai terminé, j'ai déjà racheté, je suis en train d'utiliser le deuxième, mais je pense qu'une fois que j'aurai fini le deuxième, peut-être que je ne rachèterai pas, peut-être, je sais pas, parce que j'aime bien aussi, et lui sous la douche, j'aime particulièrement bien, enfin je sais pas, en tout cas j'ai terminé, je l'ai aimé, peut-être que, ouais, peut-être que je rachèterai. Alors, on va passer au corps. J'ai terminé, alors je vous mets corps, mais en réalité c'est pas moi qui l'utilise, enfin, enfin, c'est pas sur moi que je l'utilise. C'est le savon extra doux Institut Carité au chèvrefeuille. Voilà, c'est un peigne de savon, carrément. Et je l'utilise pour mes pinceaux. Donc, voilà, et quand je dis corps, ça va pas trop avec. Mais bon, j'ai bien aimé. Il est assez doux et tout. Il m'est arrivé de me laver les mains avec. Ça allait, donc voilà. J'ai pas tout à fait terminé parce que là, il est encore dans mon pouce-mousse. Mais je le mets là parce que le pouce-mousse, quand il se termine, je pense pas, comme j'ai transvasé le produit, je pense pas franchement à le marquer. Je suis en train d'utiliser le Nivea Hawaii Flower et huile que Maletti m'avait envoyé. Si je me trompe pas, c'est Maletti. Je pense pas me tromper cette fois. J'y suis allergique. Donc je ne peux pas l'utiliser sur moi, j'ai utilisé 2-3 fois, ça m'a déclenché mes crises d'allergie, d'urticaire, donc j'ai tout arrêté bien sûr, et ça s'avère que c'est bien lui, parce que voilà, après vérification c'est bien lui, donc du coup là j'utilise pour les mains, il est très très bien, il a une très bonne odeur, il sent super bon, mais je ne peux pas l'utiliser sur moi, donc j'ai basculé pour se laver les mains. Très bien, d'ailleurs il essaie au moins, quand je me démaquille, souvent je me lave les mains 3-4 fois d'affilée. Ça me dessèche pas la peau, c'est plutôt pas mal. J'ai terminé le cottage Fleur Océan. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas. C'est vrai que ça a une odeur très marine, mais ça me déplaît pas. J'aime bien, mais par contre pour les fortes, fortes chaleurs que nous n'avons pas vues cette année. Donc certes, dans le sud, nous avons eu quelques pointes à 40. Et c'est à ce moment-là que j'ai utilisé, donc j'ai pu le passer. J'ai aussi terminé, ça c'est celui que en ce moment toutes les youtubeuses, on en trouvait dans le bac, hein, enfin on en a toutes un au moins. C'est le gel douche Mon Œil du Tahiti d'Yves Rocher, qui est un pur plaisir rien qu'à l'odeur, c'est un régal. Je l'ai terminé, j'adore, je rachèterai bien sûr, mais celui-là c'était celui que j'avais acheté l'année dernière, je n'avais pas acheté cette année. Comme je me lasse assez vite des odeurs, quand je sens que ça commence à me... Voilà, j'ai pas trop envie, j'arrête. Surtout ce genre d'odeurs que je sais que je raffole normalement, j'arrête pour éviter de me dégoûter. Et là, c'était ce que j'avais fait l'année d'avant et du coup, j'ai repris cette année pour le terminer. Je sais pas si vous m'avez suivi, j'espère. C'est le moment, je pars comme ça. J'ai terminé le gel douche à la mangue de The Body Shop. Racheté en petit peut-être. Et encore, sans grande conviction. Ouais, je suis pas des plus fans. Et puis là, j'ai quand même, je dois avoir une vingtaine de petits flacons là. Non, peut-être pas 20, mais une bonne dizaine. Donc, on va peut-être ralentir la chose. J'ai terminé le Fructis Garnier. De toute façon, si on est dans les produits terminés, forcément, j'ai terminé. Parce que j'arrête pas de dire terminé depuis tout à l'heure. Fruity Passion, donc sans parabène, sans silicone. Alors au début je me disais une fois qu'ils seront passés je rachèterai pas et finalement j'ai l'impression, alors c'est peut-être que psychologique, que j'ai les cheveux alourdis depuis que j'utilise 2 shampoings basiques, enfin normaux, lambda, voilà. Donc je pense que je le rachèterai pour, parce que je l'utilisais en premier shampoing, voilà. Donc je pense que je rachèterai pour ça, je pense. Hein. Exceptionnellement mon homme a terminé parce que pour une fois il a pensé à me donner le flacon, c'est le Petrolane Force, voilà, qu'il utilise, ça fait...
plus de 15 ans qu'il utilise, donc je pense qu'il l'utilisera encore. Bien sûr, on lui rachète systématiquement. C'est le seul qu'il aime. J'ai terminé le Linéance profil nuit. C'est vrai que j'ai pas été super assidue, mais les 10 premières nuits, je l'ai fait comme ils disent, et j'ai pas vu de changement, alors qu'avec une autre, je l'ai vu. Donc non, je rachèterai pas. Heureusement que j'ai eu à 2€. J'ai terminé mon Sanex anti-trace blanche. Donc vous savez que je suis allergique maintenant au Sanex Beer. Bon, il faudrait que je reteste quand même. Mais pas au déo normal. Donc j'avais pris le déo et ça reste un de mes grands chouchous, quoi. Je préfère cela, c'est sûr. J'ai terminé de Listerine. Et je me suis aperçue que c'est une étape que je passe de moins en moins. Avant, j'utilisais le Benbouche de temps en temps. Et là, c'est quasiment tout. Quasiment, à chaque fois que je me lave les dents, je le fais. J'adore. Bon, alors je ne prends jamais les mêmes parfums. Et voilà, j'adore. C'est assez frais. Moi, j'aime bien, c'est fort en bouche. Et ça j'apprécie fortement. J'ai fini ma brume corporelle au karité. Ben, alors, celle-là, j'étais sûre qu'elle allait descendre à une vitesse folle. Puisque c'est mon parfum préféré au niveau des beurs et au niveau de tout chez The Body Shop. Avec le Moringa, qui a bien pris une claque aussi d'ailleurs. Mais lui, j'en ai pas d'avance. J'ai terminé et là je suis dégoûtée, mais franchement dégoûtée. Mon parfum parisienne à l'extrême de Yves Saint Laurent. Donc c'est bien à l'extrême puisqu'il existe parisienne l'essentiel, la parisienne, une autre je crois, et parisienne à l'extrême. C'est le plus difficile à trouver. C'est celui qui a le fond foncé et qui remonte en clair, alors que l'essentiel c'est dans le sens inverse. Et voilà, je suis un peu dégoûtée. Et la dernière chose que j'ai fini, c'était dans mon truc les 10 choses à terminer là, que j'avais fait l'année dernière. C'est le seul produit qui restait que j'avais toujours pas terminé. C'était ça. Donc c'est le livre sans nom que je reste persuadée que si on me dit... Enfin, dans mon idée, si on me dit que c'est Stephen King qui l'a écrit, je crois. Mais franchement, je le crois parce que c'est exactement le même style d'écriture. Donc ou c'est quelqu'un de sa famille, ou c'est quelqu'un qui lit tous les Stephen King et qui a une... qui est vraiment influencé par lui, mais je sais pas pourquoi j'ai tardé autant à finir ce livre puisqu'il est vraiment très très bien. Bon, mais ça c'est mon défaut, hein. Je suis capable de passer d'un livre à l'autre, de le mettre en attente pendant X temps, mais j'ai adoré ce livre. Donc le livre sans nom, c'est spécial, mais c'est tout à fait dans l'atmosphère de Stephen King, ça y ressemble fortement. Et bien sûr je l'ai terminé et j'ai entamé le suivant. Donc voilà, sur ce, j'ai fini mes petits produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.